Combien y a-t-il d'onces dans 6 livres? Alors, on veut savoir combien on a d'onces dans 6 livres. Avant de commencer, peut-être que vous n'avez jamais entendu parler d'onces et de livres. Ces deux unités sont des unités de masse qui sont utilisées principalement aux États-Unis et au Royaume-Uni également. Et vous risquez de les rencontrer, donc c'est toujours intéressant de savoir combien ces deux unités valent dans notre système métrique, donc en grammes, l'unité de masse avec laquelle vous êtes familier. Donc, une livre, puisque c'est féminin, une livre, c'est égal à 454 grammes. Donc, c'est à peu près un demi-kilo, hein. Donc, 454 grammes. Et une once, c'est égal à peu près environ, hein, 28,4 grammes. Donc, la première chose déjà que vous pouvez vous rendre compte, c'est que l'once est une plus petite unité que la livre. Et 28 grammes, c'est beaucoup plus petit que 454 grammes. Donc, l'once est une bien plus petite unité. Et la conversion entre les onces et les livres, on peut la faire en faisant le rapport, mais ça c'était donné juste à titre informatif. Le rapport entre le nombre d'onces et le nombre de livres, il est lui de une livre est égal à 16 onces. 16 onces. C'est-à-dire on a 16 onces dans une livre. Donc on a beaucoup de onces dans une livre. Donc, dans 6 livres maintenant, qu'est-ce qu'il va falloir faire? On va multiplier, alors, on va faire ça proprement, on va multiplier 6 livres par le rapport du nombre d'onces dans une livre, et on peut commencer par écrire les unités afin d'être certain de ne pas se tromper. On veut des onces au numérateur et on veut des livres au dénominateur. Et le rapport, il est ici, c'est 16 onces par livre. Et ainsi, je peux simplifier les livres et je vais rester avec 6 fois 16, divisé par 1. Le divisé par 1 ne va pas avoir d'importance. Donc 6 fois 16, qu'est-ce que ça vaut? Je peux le calculer à la main, c'est toujours bien. 16 multiplié par 6, c'est égal. Alors 6 fois 6, ça vaut 36. Je pose 6 et je retiens 3. 6 fois 1, 6, plus 3, 9. J'ai donc 6 livres multipliés par 16 onces par livre qui me donne 96 onces. J'ai donc 96 onces dans 6 livres.